C'est une grande finale à l'image d'une fête organisée pour célébrer la femme qui s'est déroulée à l'université d'Abou Mekalavi au lendemain de l'édition 2019 de la Journée internationale de la femme. Ici, on célèbre la beauté physique, morale, intellectuelle et celle entrepreneuriale. Et qui de mieux pour créer l'ambiance festive dans cet amphithéâtre Houdegbe, si ce n'est Vivi l'International, entouré pour la circonstance d'autres artistes ayant effectué le déplacement. Cette finale de la première édition du concours Miss Entreprenante UAC est une initiative de la JUO2E, entendez jeunesse universitaire, engagée et orientée vers l'entrepreneuriat. Devant les membres du jury, les 10 candidates ont démontré leurs compétences et surtout stratégies à mettre en place pour la concrétisation du projet commun. Après les 5 passages, le jury délibère. L'euphorie gagne cette salle qui a vu 3h du matin sonner. La première Miss Entreprenante de l'histoire de l'université d'Abou Mekalavi s'exprime. Je suis vraiment, vraiment très contente aujourd'hui. Merci beaucoup. Je promets continuer avec mes 9 autres candidates. La fin sera meilleure. Nous allons trouver le financement et on va arriver à construire l'amphithéâtre que nous avons désiré. C'est parti pour un mandat d'un an, au cours duquel un grand défi sera relevé, à savoir la mobilisation des moyens pour la construction d'un amphithéâtre de 300 places.